Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Alors, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo et aujourd'hui, j'ai envie de construire un petit lion. Donc oui, on a déjà construit un zèbre comme ceci, qui d'ailleurs est juste là. J'ai pas envie vraiment de le casser parce que c'est le genre de truc un peu microscopique. Hop, donc la dernière fois j'avais déjà emballé le plastique et j'aurais dû le faire déjà là. Mais bon, je voulais vous montrer, il y a un petit plastique autour. C'est dommage, mais ça permet à ce qu'il ne se fasse pas voler les pièces. Ensuite, on peut ouvrir la boîte. Attention, je veux pas en mettre partout comme la dernière fois où j'ai failli perdre des pièces. Oh, cette fois la notice, elle est en couleur. Bah oui, le zèbre, la notice était en noir et blanc et là on a les vraies couleurs des pièces. Ok, ok, hop. On va faire attention parce que la dernière fois, on se souvient, une petite pièce qui est partie, j'ai pris des plombes à la retrouver. Voilà. Pourquoi il y a un... Ah oui, il y a un petit scotch. Ok. On a le petit truc pour aider, mais je suis pas sûre d'en avoir besoin. Voici le petit modèle de lion. Le plan de construction. Donc, je vais vous mettre tout ça en musique. Hop, en accéléré. Pour que vous voyez ce que ça donne. Et on se retrouve une fois que mon lion est construit. Voilà, à tout de suite. Thank you.
j'ai fabriqué le petit lion. Il y a encore des pièces en plus, comme la dernière fois avec le zèbre. D'ailleurs, j'en ai fait tomber une par terre, mais c'est pas grave parce que bah, j'en avais une en plus, donc faudra que je la ramasse après. Et je suis assez contente, voilà. Lui, il m'a pris plus le zèbre. Il m'avait pris 15 minutes. Et là, le lion, il m'a pris 20 minutes à être construit. Il est un peu plus compliqué parce que je pense que c'est le fait qu'il y a des trucs qui passent en dessous pour faire la tête ronde. Peut-être que je suis juste un peu plus fatiguée aujourd'hui. Mais bon, voilà, petit lion. Je suis trop contente. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Laissez-moi un petit message dans les commentaires. Vous pourrez retrouver mes réseaux sociaux dans la description. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Et je vous fais... des bisous.